Eh bien, salut les amis, c'est Sylvain, et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie One Piece, Dragon Ball Super. Non. Donc c'est une théorie qui va parler du personnage qui ressemble étrangement à Beerus, sauf qu'il est plus gros. Moi je pense vraiment que ce personnage, en fait, c'est le frère jumeau de Beerus, sauf que comme on peut voir avec Boo, quand il s'est transformé une nouvelle fois à l'affût, enfin je sais pas si ça se dit ou pas, mais enfin on va dire grâce aux ennemis qu'il a battus et qu'il a aspiré avec son pouvoir du Shungan, il est devenu comme ça plus gros alors que c'était au début Bou petit. Donc moi je me demande si le jumeau de Beerus n'a pas eu la même chose. Donc ce serait un Beerus plus puissant, mais un petit peu dans le style du Bou. Donc, qui bouffe beaucoup, tout ça. Donc, moi, je n'ai vu encore aucun épisode de la saga, parce que Dragon Ball, j'aime ça, mais je ne regarde jamais. Donc, c'est possible que sur ma chaîne, vous retrouverez d'autres théories, on ne sait jamais, peut-être même des épisodes, thrillers, etc. Mais je ne ferai pas ça, parce que je sais bien que pour toi, Jim, tu fais des vidéos sur Dragon Ball, donc je vais te laisser dans ton truc. Moi, je vais juste faire une théorie, et normalement, après, j'en ferai plus. Donc on continue la théorie. Donc moi je dis vraiment que il y aura une compétition entre Boo, un peu gros quoi, et ce Beerus là. Donc je ne sais pas c'est quoi son nom, je n'ai encore vu aucun épisode comme je l'ai dit. Mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi des nouvelles boules de cristal. Donc moi je pense que les nouvelles boules, enfin je pense ça a été dit, les nouvelles boules de cristal sont en rapport d'autres univers. Et donc ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres sortes de Shenron. Et en cherchant un petit peu sur le net, j'ai trouvé des images d'un Shenron version humain. Donc il avait des jambes, des bras, tout ça. Donc moi je me dis que sur la Terre c'est un vœu. Mais peut-être que là ce sera d'autres vœux. Et qu'il y aurait comme une épreuve ou quelque chose dans le...